Nani ? Serait-ce le retour ? Hey yo les frérots, c'est Ruru, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau showcase depuis le temps quand même, ça fait longtemps que je n'ai pas fait un showcase jour de repos. J'en profite pour vous tourner du coup, c'est mon perso, c'est un de perso de cœur, donc forcément j'avais envie de vous showcase le Gogeta SSJ4, forcément avec son nouvel équipement que j'ai pu farmer rang Z du coup. Assez content, le perso est devenu maintenant broken. On va partir le jouer les gars en guerrier fusionné. Du coup, grosse team guerrier fusionné, 3546%. Je suis assez content de la team que j'ai avec du coup le Gogeta Blue, le Gogeta Zen 2, les deux Gogeta Zenkai 7 et également du coup le Vegeto Blue Violet qui était sorti du coup avec le Gogeta 4 lors du 3e anniversaire. Bien entendu les frérots, avant que le showcase ne commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais de temps à autre des vidéos du coup comme aujourd'hui et également des lives sur Twitch, mais également sur YouTube quand j'aurai le temps. Voilà, c'est pour ça que je fais pas beaucoup de vidéos et pas beaucoup de lives en ce moment les gars. C'est que je n'ai pas le temps et j'ai pas forcément une grosse envie, mais là comme voilà c'était Gogeta 4, il fallait que je vous le showcase les frérots. Et du coup voici les équipements que j'ai mis pour ma team. Franchement pas mal de très gros équipements et notamment des équipements éveillés. Et vous voyez que Gogeta 4, j'ai vraiment axé ses dégâts et sa défense avec du coup le nouvel item mini que j'ai pu obtenir rang Z. Dommage que le dernier tir d'amélioration ne soit pas rouge, mais bon je vais essayer, j'ai plus de gomme. J'ai plus de gomme du tout, il m'a coûté super cher l'équipement, mais ça fait plaisir et on est parti pour le showcase des frérots, let's go. Eh bien pour la première game, j'ai un peu la haine parce que je viens de faire 3 games, je n'ai pas record, les 3 games étaient incroyables, mais c'est pas grave, on a encore une key divin du coup ici pour la première game. Du coup il va pas certainement partir avec Lavados, donc on va prendre le bébé, ça c'est sûr et certain, on va prendre le Gogeta 4, forcément pour le Goku Blue Zenkai 7 qui devrait prendre normalement dans la game. Il a pas de violet, donc pas vraiment d'intérêt à prendre le Gogeta Blue ici. Après est-ce qu'il va prendre le Gata, je pense pas. Vous savez quoi, on va quand même partir avec le Gogeta Blue, c'est parti. Et en face il a également pris du coup le Gogeta Blue. Bon forcément on avait deviné pour Lavado, c'est le Goku. Oh, ok. Ah, alors je sais pas s'il a misclick ou si la strike s'était voulu ici. Parfait, on va toucher. Oh alors là. Oh alors là. Bon Lavado je m'y attendais un petit peu, mais bon comme je fais trop souvent avoir avec les breaks, j'ai préféré ne pas break ici. Ah, à mon avis. Ouais, il va tempo. Non, il a pas tempo. Ok, bien joué. Oh, bah là, par contre, je mets le Gogeta Blue, forcément. On va faire l'aspect directement. Et l'aspect qui va faire d'énormes dégâts. Parce que c'est soit il laisse Lavados, il a pas récupéré la... Ah bah, il laisse Lavados. Donc, pas mal de points de vie enlevé ici. Par contre, là, ce qui est chiant, c'est qu'elle va m'enlever ma récupération de ki. Et ça, c'est relou. GG, il a très bien temporisé en face. Perfect dodge, du coup, de son côté. On va pas mettre le... Ouais, de toute façon, il met le Gogeta Blue. Donc, forcément, ça va empêcher... tout non j'ai tapé attaque avec le Gogeta 4, la haine, il a rien montré durant la game, il a... Oh parfait, on contre ici, ça c'est nickel, parfait, on a entendu le pas de côté ici et là let's go, là on va faire du gros dégât avec, regardez les dégâts qu'il fait, il est bien étoilé en face le Gogeta Blue, on va faire l'ultime directement au cas où mettre Lavados et c'est parfait. C'est parfait, c'est KO ici de Lavados normalement. Avec le team du Gogeta 4 qui je rappelle avec son équipement maintenant il devient totalement broken. Mais non il est pas. Elle est pas KO là, Lavados ici. Il va un tout petit peu temporiser encore je pense. Ah GG. J'ai trop temporisé de mon côté par contre. Et là, je vais encaisser. Ouh, je vais vraiment encaisser par contre. Ça joue bien en face, hein. Ça joue très bien. Alors ça par contre c'était très mal joué de sa part. On va mettre le Gogeta 4. Ah, GG. Et du coup, ici, l'aspect qui ne va pas passer. Je voulais pas RR comme j'ai contré le sien. Et là, je vais mettre le Gogeta Blue en espérant qu'il fasse une strike. Et c'est parfait. Ça passe. On va s'approcher doucement et délicatement de lui. Et je voulais faire le main. Mais non. Non, il a attaqué directement. Bien joué. Je vais mettre le VB ici, on va un tout petit peu tanker du coup Lavados, mais à mon avis il va changer de perso. Et faire la blast ici avec le Goku, ce qui va me mettre KO. Parfait. Parfait, on va du coup pouvoir faire une strike ici, même si le Gogeta Blue c'est pas grave parce qu'on a fait la verte. Et oh là 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 les dégâts. Oh les dégâts ici du Gogeta 4 et c'est la mort du Gogeta Blue. On est en 2v2. J'attaque direct, il fait que temporiser depuis tout à l'heure et j'ai bien fait. Oh, GG, il va temporiser.
Nickel. Ça passe ici. KO de Lavados. Ouh, l'aspect qui va faire mal. Ouh là 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 là, j'ai plus de vie. J'ai plus de vie, mais qu'est-ce qu'il a fait? À mon avis, il voulait tap attaque, mais comme j'ai strike direct ici, c'était compliqué pour lui. On va mettre tout de suite directement le Gogeta 4 ici. Faire un maximum de dégâts. Parfait. Ah, ha, ha, ha. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Vite, vite, vite. Vite, 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 que je récupère le Gogeta. Ah ouais, il avait pas fait l'ultime encore. Je vais mettre le Gogeta Blue de mon côté. Et là, attention. Parce que le fait de ne pas avoir RR, ça pourrait me coûter la game. Eh bah non. Non, 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 la tap attaque, il ne la voyait pas venir. Heureusement pour cette première game-là. Grosse, grosse game. Bon, on a contré son RR. On a eu de la chance. Et le Gogeta 4, il a fait le taf. Il a vraiment fait le taf. Il a fusionné au top. Let's go pour la deuxième. Deuxième game. Grosse, grosse team. Eh, franchement, c'est bien. Parce que je rencontre quand même des grosses teams pour ce showcase. Ça fait plaisir. Grosse team SCJ. Bon, elle aurait pu être un peu plus étoilée. Notamment le Vegeta qui est que 4 étoiles. Mais c'est pas un souci. On va prendre le VB forcément pour le Goku SCJ 3 qui va prendre dans Zenkai 7. Le LF, bien entendu. Le Gogeta 4 pour le Goku Pupute. Et puis le dernier, je pense que je vais prendre le Gogeta Zenkai 7 parce qu'il y a des chances qu'il prenne le Vegeta dans Boranda. Ça serait une erreur qu'il ne le prenne pas ici. Et let's go, on part comme ça. Et il ne l'a pas pris. Il n'a pas pris le Vegeta dans Boranda, les frérots. Il a pris du coup le Goku Zenkai 7. Du coup, j'ai un peu la haine de ne pas avoir pris mon Gogeta Blue pour le coup ici. Let's go, on fait là. On réussit à faire passer la verre du Gogeta 4. On va le dispel ici. Il a retiré toutes ses cartes. Il n'a plus rien en main. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, forcément, c'est mieux. L'aspect directement ici avec le Gogeta. Dommage, on n'évanouit pas. Hop là. Eh ben non. Eh non, frérot. Il y a des chances qu'il mette ici le Goku Pupute. On va mettre directement le VB. Il le met même pas. Ok, là, il le met par contre. Let's go. On met le Gogeta 4. Main. Ah, il tape attaque par contre de son côté. Dommage. On va tap attaque également de notre côté. On va tempo. Nickel. Et let's go pour directement faire l'ultime ici. Alors je sais pas du tout si on mettra KO les gars. Si on met KO le Goku Namek, c'est un délire. Oh là 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 là. Gogeta 4, qu'est-ce qu'il nous fait? Mais qu'est-ce qu'il nous fait dans cette game? Regardez la puissance du perso. Regardez la puissance du perso. Regardez ce qu'on est en train de lui mettre tout simplement en face. Un délire. Ah, alors ça, par contre. Oh. Ok. Je pensais qu'il allait attaquer directement et faire l'ultime. A mon avis, il avait déjà 4 cartes en main. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas pu la faire. Et s'il l'a fait, bien entendu, on mettra le Gogeta Zenkai 7. J'aurais pu RR, hein. Forcément. J'aurais pu RR ici le Gogeta SSJ... Le Goku SSJ 3. Mais bon, pour le beau jeu, j'ai préféré ne pas RR, mais j'aurais dû. J'aurais dû. Tellement ce qu'on était en train de lui faire, c'était déjà assez violent. Parfait. On le touche ici. Avec le Gogeta Zenkai 7. Let's go. La strike. Le main. Une autre strike. Et là, c'est KO. Là, c'est KO d'un des Goku SSJ 3. Bah, à mon avis, il va laisser le... Ah, il met le violet. Il me semble qu'il avait pas fait l'ultime en plus de ça avec le Goku SSJ 3 Zenkai 7 violet. Mais bon. Ah, il est pas KO? Non. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Il a esquivé ici. On va mettre le... Ah, 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 ah. J'aurais pas dû... Bon, après, normalement, il devrait tanker. Hein. Il y a pas mal de boost avec l'équipement, notamment le Gogeta 4. Et oui, hein. Et oui, il tanque. Il tanque le bug. Il tanque le bug. Sauf que là, t'avais déjà fait ton esquive ici, frérot. Je vais faire directement la verte. Ah, putain, il fait le RR. Il fait le RR, le gamin. Le bug ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Il a déjà fait l'ultime avec le... Le main, je rappelle... Oh putain, on contre encore, on a de la chance. Et ça abandonne du coup. Et par contre, le Gogeta 4, ce qu'il a fait dans la game, un délire. Il a fait du très très sale. Et là, franchement, il devient très très bon et c'est guerrier fusionné. C'est même pas Saiyan, les gars, parce que je pense qu'il est plus fort en Saiyan encore, le Gogeta 4. Forcément, avec le Vegeta Nabamanda, comme vous connaissez si bien. Et le Goku SCJ 3, mais même en guerrier fusionné, il fait du très très bon dégâts. Et ça fait vraiment plaisir qu'elle soit enfin vraiment top. Pas top méta, mais... C'est quand même une très très grosse team qui a fusionné maintenant et ça fait plaisir. Let's go pour la troisième game. Pour la troisième game, les frérots, grosse team Saiyan. Non, plutôt on va dire Saga Namek, Saiyan. Voilà la première partie de DBZ en gros. Mais c'est quand même une très belle team avec un appât quand même 8 étoiles également.
Et vous pouvez voir que j'ai enfin atteint les 1000 GG, les 1000 bonnes parties, enfin les frérots sur DBL, donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Bien entendu, on va partir ici avec le VB, je pense pas, parce qu'il y a Oren en face, il est assez bon. Il a le, à mon avis, il va partir avec un violet, donc je pense que je vais prendre Gogeta Blue. Je pense que je vais prendre ce trio-là. Ouais, c'est parti, on va commencer avec le Gogeta Blue plutôt, le Gogeta Blue, le Gogeta 4, et let's go. Et pour cette troisième game, j'ai encore un bon pick. On a vraiment tout planifié, il a le Nappa, le Freezer et le Vegeta, comme je l'avais deviné. Et c'est pourquoi j'ai pris ces persos, et j'ai eu raison, par contre il a l'avantage et l'open du coup durant cette game. Dommage. Strike direct, on va quand même laisser le Gogeta 4, hein, parce que là on profite de ses bonus défensifs. Regardez, hein, regardez, il tank. Hein. Il tank assez bien les dégâts, toutes les strikes de Nappa, du Vegeta et de Freezer, et même pas midlife le perso. Ça fait plaisir. On va mettre le... Par contre, on va tout de même mettre le Gogeta ici. Le transfo, faire la verte. Et il attaque directement. Et je vais attaquer directement également. Je vais pas... Ouh là 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 là. Oh le délire. Oh le délire ici. Les blasts qu'on fait très 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 mal. On va laisser le Gogeta. Au cas où il fasse le break. Mais il fait pas le break a priori. Ok, qu'est-ce qu'il va faire? Ne dis pas là le RR. Il suffit que j'en parle pour qu'il l'ait justement. Ah, ça fout la haine. Ça fout la haine. Je vais plus attaquer. Oh, quoique. Il m'a touché une fois, je l'ai touché une fois. Par contre, je lui ai fait plus. Et je compte encore, mais le délire. Mais ils ont quoi à tous faire des strikes en ce moment? Parfait. On touche. Et let's go. On va mettre le Gogeta ici. Et non. Et non, frérot, ça ne marchera pas. On va faire l'aspect. Il va laisser le Freezer. Et je vais attaquer directement avec strike ici. Si on le touche, il est mort. Oh là 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 là, énervé. Énervé, on va faire le main directement. Et let's go pour l'ultime. On mettra KO le Vegeta. Hein. S'il le met, il laisse le Freezer. Donc c'est KO du Freezer ici. Et vous voyez que la guerre est fusionnée, vraiment. C'est devenu très 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 puissant le Gogeta Blue c'est un monstre. Le Gogeta Blue qui est devenu un monstre depuis qu'il est sorti. Il est encore plus fort qu'avant. Et c'est le délire. Et c'est ça le délire. Et ici on a entendu le pas de côté forcément. Let's go, la strike et la mort du Vegeta. On va mettre le Gogeta 4. Faire le main. Ok frérot. Une, deux. Et c'est parfait, let's go pour l'ultime. Et le LF qu'on ne verra pas étant donné qu'il abandonne en face. Dommage, grosse game encore de la team entière. Et franchement, ça fait plaisir, c'est surpuissant. On part pour une dernière game les BG, c'est parti. Eh bien, pour la dernière game, les BG, une team SCG, une team énervée. D'ailleurs, bon, mis à part qu'il a le Broly LF que 2 étoiles. Par contre, le reste, après, c'est fou. Et là, le Gogeta 4, il va pouvoir se faire plaisir. Vraiment, on va partir avec ce trio-là, normal. Et let's go. Forcément, du coup, il est parti en Blue Blue Purple avec le Goku 4 Zenkai 7, le Badak et le Broly, hein. Le Broly, quand même, LF. Ah, dommage. Dommage ici. Mais bon, c'est pas grave, il va faire très peu de dégâts. Même le Broly 2 étoiles, c'est compliqué. Ah, nickel. J'ai bien temporisé ici. Et let's go. Oh là là, les bons dégâts hein, ici du Gogeta. Bon, après, on rappelle qu'il n'est que 2 étoiles, le Broly. On va faire l'aspect. À mon avis, je sais pas s'il a récupéré le Goku 4. Si, il l'a récupéré. Tant pis. Ça a pas du tout fait ce que je voulais faire. Je voulais mettre le VB avant. Oh là là, mais... Et voilà. Les petits... Voilà, c'est ça qui se passe quand il y a des lags. Et voilà, il y a des lags. C'est le problème. Il y a des lags. Et c'est chiant. Et c'est relou. Regardez. Injouable. Et voilà. C'est incompréhensible, ce genre... Ce genre de bug encore. Heureusement qu'il y a très très vite les leaks qui vont arriver également sur un PVP sur DB. Non, là par contre, frérot, tu t'es complètement foiré. Ça, c'est bien joué par contre de ta part. Oh, parfait, le perfect dodge ici. Let's go. On va faire une strike directement en espérant qu'il mette le Broly LF. Est-ce qu'il va faire le con? Non, il est pas teubé non plus. On va mettre le Gogeta 4 forcément. Et alors là, frérot, let's go. Ultime. Et s'il laisse le Badak, s'il met le Broly, c'est KO. Dans tous les cas, ça sera KO ici. Et il va laisser le Badak. Salut Badak. Je suis content de t'avoir connu.
Et là, ce qui est bien, c'est qu'il a, il n'aura plus les pivots. Il va encore profiter des pivots pendant quelques secondes du Badak sur... Bah, en fait, même pas sur son, sur son Goku 4, hein, étant donné que c'est pas un CJ. Par contre, le Broly, si. Mais ça lag de ouf. Ça lag de ouf. C'est relou. Voilà. Et voilà, ça a quitté. Ça a quitté pour cette game, pour la dernière, du coup. Mais là, on va en profiter, hein, c'est pas grave. On va laisser le Goku, le Gogeta 4. Et bah oui. Forcément, ça passe ici. On va faire la verte. Qui va passer. On va faire la blast directement. Là, c'est les vrais dégâts. Et le Gogeta 4 qui reste... Ça reste un monstre. Ça reste un monstre, le Gogeta 4. C'est un délire. On va mettre le Goku. Le Goku. Le Gogeta Blue. Et let's go. On va finir cette game et ce showcase. Pas avec le LF du Gogeta 4, non. Mais avec le LF du Gogeta Blue. Let's go! Non, il est stylé. Franchement, pour moi, c'est un des plus beaux élèves du jeu, Gogeta Blue, forcément. C'est un perso, c'est un de mes persos préférés du jeu, perso de cœur avec le Gogeta 4 et le Migaté. 3 gros persos. Et franchement, j'espère que le showcase vous aura plu, les BG. On a vu la surpuissance de la team, vraiment la surpuissance de la team guerrier fusionné. Elle est franchement là maintenant que le Gogeta 4 vert est vraiment jouable avec du coup les gros bonus qu'on a via son équipement. Unique, ça fait vraiment, vraiment plaisir. J'espère que ce showcase vous aura plu, les BG. Je rappelle que je recrute toujours du monde pour ma guilde Jigoku. Donc, si vous voulez faire partie de la guilde, n'hésitez pas à venir m'MP sur Twitter ou sur Discord. Les liens sont de toute façon dans la description. Sur ce, les frérots, nous, on se retrouvera très, très bientôt pour un live en fin de semaine, donc normalement dimanche, sur Kimetsu no Yaiba. On va continuer forcément l'histoire, on ne l'a pas encore fini. Et puis, la semaine prochaine, les frérots, il y aura un random rush contre un invité surprise qui n'est encore jamais venu sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Sur ce, les BG, très 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 bonne journée à tous. C'était RU et ciao.